Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, nous sommes dimanche. Il est exactement 11h57. Du coup là, je vais commencer à faire à manger. Je vais faire du riz cantonais, pardon. Simple, efficace, pas cher. Donc voilà, pour ça, je vais avoir besoin de des oignons, des deux jambons, du riz qui est en train de faire dans le cuiseur à riz, des petits pois, des œufs. Donc voilà, franchement, la recette, elle est très, 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 très simple. J'ai déjà fait du riz cantonais sur la chaîne. Vous pouvez les trouver dans les recettes ou alors vous regardez sur Internet, c'est pareil, quoi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que chez vous tout va bien et que votre famille et tout se porte bien. Donc voilà, petit programme de la journée. Donc là, bah, programme maison, rangement, j'ai fait le ménage ce matin. J'ai fait à l'étage, la salle de bain, les chambres, le temps que Jérémy était en bas en train de faire le bas. Les enfants là, ils sont à l'étage en train de faire leurs devoirs. Et du coup, le bébé Ewan il dort et moi je suis en cuisine. Je fais à manger. Donc voilà, donc ce matin, cet après-midi, s'il pleut pas, Jérémy, quand travaillait dans le jardin, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vlogs, mais avec le temps, voilà, il pouvait pas. Et puis comme il a repris le travail, c'est chaud. Donc voilà, si le temps nous permet, cet après-midi, il va faire le jardin pour commencer à planter tout ce qu'on a acheté. Et puis après, cet après-midi, moi, j'ai du linge à faire, le linge de Jérémy et moi. Donc voilà, les amis, en tout cas, j'ai déjà dit, mais j'espère que vous allez bien, c'est important, hein. Donc voilà, de toute façon, je vais vous montrer au fur et à mesure la recette, mais je vais pas, franchement, je vais pas détailler, c'est très simple à faire, donc je vais pas détailler. Je vais vous montrer juste seulement au fur et à mesure. Donc voilà les amis. Ah oui, je voulais aussi de vous dire, cet après-midi, du coup, on va faire aussi les goûters, comme on vous a déjà parlé de ça. Les goûters, maintenant, on les achète plus, on les fait nous-mêmes. Ça sera pas toujours parfait, hein, mais, mais on va les faire nous-mêmes parce que... Il y en a marre en fait. Au moins comme ça, au moins on sait ce que nous mangeons. Parce que franchement, sinon, et puis ça coûte moins cher. Donc là, on a tout acheté. Les moules à gâteau. Regardez, on a même acheté ça. Ce moule à gâteau là pour faire des brioches. Donc franchement, on s'est équipé. Mais vraiment équipé. Une bonne idée ou pas? Donc là, je suis en train de faire revenir mes oignons. Donc là, mes oignons sont bien dorés. Du coup, je vais rajouter les dés de jambon. Je vais faire mes œufs. J'en ai pris 4 là. Mais je pense que je vais en prendre 5. Parce que sinon... Donc là, je vais rajouter les œufs ici. Donc là, je vais rajouter, mais ça c'est, j'ai pris des petits pois, j'avais que des petits pois en boîte. Après, vous pouvez faire en boîte comme vous pouvez le faire aussi avec des petits pois surgelés. Donc, peu importe. Puis après, je vais laisser comme ça pendant 5 minutes. Donc après, le riz, il a fini de cuire dans le cuiseur à riz. Du coup, là, j'ai les petits pois oignons plus les dés de jambon et en dessous j'ai fait ça, les omelettes, et je vais mélanger le tout. Je vais tout mélanger et après vous allez voir le résultat. Voilà ma petite tribu. Ça y est, vous avez fini de vous préparer? Oui, merci. Les devoirs, c'est bon, les Naya? J'ai envie de voir après le goûter, maman. Fais des devoirs après le goûter. Les deux, toi, c'est bon? Ouais. Donc là, c'est bon, c'est fini. J'ai fini de faire à manger. Ça y est.
Et voilà, c'est fini. Du bon riz cantonné. Là, j'en ai fait pas mal. Du coup, comme ça, il va m'en rester pour ce soir et demain. Et ce midi, pardon, et ce soir. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pas à me dire, ah ben non, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Non, 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 c'est bon. Il y a à manger pour ce midi et pour ce soir. Donc, voilà, les amis, franchement, c'est très simple à faire. C'est rapide, c'est pas très cher. Et tu fais ça en bonne quantité. Tu en as pour le midi et le soir. Et s'il faut, si tu aimes trop ça, bah, tu en fais comme encore plus grosse quantité pour le midi, le soir et le lendemain midi, voire le lendemain soir. Mais non, nous, on mange que ça, on mange ça sur le midi et le soir, souvent, c'est ça. Parce qu'après, les enfants, ils en ont vite marre. Donc voilà, du coup, je vais le laisser dans le cuiseur à riz, ça va le maintenir au chaud pour tout à l'heure. On attend que Jérémy termine, comme ça, on va manger. Vous venez mettre la table, les filles? Loan? J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait ça, Fifi. Je vais vous montrer mon outfit of the day. Alors, petite coiffure. Petit pull. Voilà. Débardeur. Manche courte. Et avec un pantalon, voilà. Ah, ça dégueule. Et maman, l'outfit de ma maman, c'est petite robe d'été. Voilà. Il a trop rigolé, lui. La ceinture. Ouh. Et oh là là, mais qu'il est grand ce bébé. Mais il adore ça quand tu lui fais des trucs comme ça, là. Et hop là! Bravo! Bravo, bébé! Parfait! Let's go! I wake up to a little bit. Bon les amis, là je vous reprends, on a fini de manger, là on va se faire un petit café, on va se poser un petit peu et puis après Jérémy il va faire des yaourts à la grecque et on va faire des brioches, Ilana elle a prévu de faire brioche pour demain matin pour le petit déj, Ilana elle a prévu de faire pour le goûter des coquilles avec les Naya, tu vas faire avec Lily? Ouais. Bah là, bientôt, hein. Lily, tu veux faire ça à quelle heure? 15h. 15h. Ça va être bon pour goûter? Oui. Mais tu peux ouvrir la boîte, s'il te plaît. Et là, je trouve qu'il y a trop de café, on va en prendre. Waouh! T'as de la force! Mais il y en a qui est un. Il ne reste plus qu'un café. Attends, je vais chercher l'autre dans le cellier. Ouais, donc je disais qu'on va faire brioche pour le petit-déj demain matin. Les cookies, ça sera pour le goûter. Et Jérémy va faire des yaourts à la grecque. Ouais. Donc voilà. Et puis après, s'il peut, s'il n'a pas trop la flemme, n'est-ce pas? Il va retourner le... Il va faire le jardin, il va retourner la terre. Oui. Maman, elle est en train de faire le café. Et là, il y a papa. Qui essaie d'endormir bébé Wan. Bébé Wan, il a pas trop envie, hein. Il est chiant. Et là, il y a maman qui est en train de faire le café. Voilà, après, on va faire le yaourt. Après, à 15h, on va faire les cookies. Après, on va faire la brioche pour le matin. Pour demain matin? Oui, pour demain matin. Parce que demain matin, c'est l'école. Et voilà quoi. Après, est-ce que j'ai dit qu'on va faire le yaourt? Oui, t'as dit, je crois. Oui, j'ai dit. Oui. Ok. Et ben voilà, voilà quoi. Re-coucou les amis.
parler, Maya? On va faire des yaourts. Et du coup, bah, des yaourts à la grecque. À la grecque. On va essayer de faire des yaourts à la grecque, un peu plus onctueux, bien épais. Ouais. Donc voilà, on a tout réuni et Lenaya va vous présenter les ingrédients. Alors, il y a du riz gilet entier. Ouais. Du lait entier. Ouais. De la crème. Combien de lait entier il y a? 800 ml de lait entier. Oui. On va mettre les 20 cl de crème liquide semi-épaisse. Et avec le yaourt à la grecque. Le yaourt à la grecque. Voilà. Donc là, le but maintenant, c'est de mélanger dans un premier temps ça, la crème liquide. D'accord. Avec le yaourt. Donc tu peux déballer le yaourt. On met tout? Ouais, ça. Okay. Donc je mets toute la crème liquide. On met tout le yaourt? Ouais. Okay. Tu prends une cuillère si ça ne veut pas... Ok. Hop. Donc ça, c'est bon. Prends une petite cuillère. Ouais, attends, je vais essayer de voir si... Et là, le reste, tu le racles un peu et tu mets. D'accord. Tu tiens comme ça. Comme ça, voilà. Et tu mets tout dedans. Attention. Parce que... Non, c'est pas bon. Il y a de la perte là. Regarde ça. Une cuillère. Deux cuillères. Trois cuillères. Oui, c'était pas bon. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Donc là il faut mélanger ça, tiens. Oh là là. Tu vas te fatiguer là, hein. Sa façon de mélanger elle est bizarre, hein. Attends, on va faire montrer. Alors moi je fais comme ça. Non. Fais comme ça, voilà. Tu es comme ça. Augmente un petit peu. Hop. Ouais, je vais le faire. Ah, je suis déjà fatiguée. Ah, elle a mal au bras. Donc là, ensemble, ça va déjà être bien plus épais que les yaourts nature basiques. Bah, comme on l'a fait la dernière fois, c'était un peu la ouais, mais était on n'avait pas mis de riz gilet, on n'a pas mis de lait entier. Enfin, voilà. Là, j'ai vraiment acheté ce qu'il faut. Ouais. Donc, ça devrait être pas mal. Donc, une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter le lait. Tout. Ah oui, tout. Tout le lait. Vas-y. Du lait entier, hein. Doucement par contre, sinon ça va. Voilà. Voilà. Et vu que j'ai envie que ça soit encore plus consistant, on va rajouter aussi du riz gilet. Riz gilet. En plus. Voilà. Et après là, il faut mélanger. Et là, vous pouvez mélanger tranquillement, faut pas que ça aille partout. Donc voilà le commencement du yaourt. Voilà. Donc ça c'est la crème. Et maintenant il n'y a plus qu'à les mettre dans les pots. Donc ça je vais le faire parce que je sais comment ça va se passer. Hein. Tu pouvais juste enlever comment? Les couvercles. Oui, je vais prendre ça, oui, mais attends. Il faut le mettre dedans ça. Il faut prendre les couvercles. Voilà, vous enlevez. Donc voilà, simplement maintenant on va remplir les pots avec le liquide, enfin le lait plutôt. Normalement il y en a assez pour tous les pots, pas trop remplir non plus. Puis on espère que le résultat sera satisfaisant d'ici demain. Demain soir c'est ça? Ça va chauffer toute la journée, ça va se reposer 24. Toute la nuit, donc demain midi. Mais comme vous serez à l'école, je vous mettrai pour vous. Non. Si, si. Donc voilà. Ouais. Il y a eu en gros, ça fait 1 litre. Et les 8 pots sont. Les 7, pardon, parce que moi il y en a 7. Sont remplis. Donc voilà. Heureux. Bon, les amis, du coup, on vous reprend un peu plus tard. Donc là, Jérémy, il a fini de faire la pâte pour la brioche. Il a fait ça là sur le plan de travail. C'est là. Du coup, Jérémy, s'ils ont dit combien? 1h30. Je vais laisser reposer 1h30 à température ambiante. Ouais. Ouais, 1h30. 1h30 à température ambiante. C'était dur, hein.
Mais je vais le péter pendant pas 20 minutes en tout. Ben, il faut investir dans la machine. Oui, je vais prendre un robot, je pense. Ouais, ça serait bien, parce que là... Je pense pas que... En fait, là, la brioche, c'est pas un truc qu'on va faire souvent. Hein. Parce que franchement... Bon, là, après, c'est pas moi qui ai fait, c'est Jérémy, mais il dit que c'est galère. Bah, c'est... Il faut avoir... En fait, franchement, il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps. Et là, comme on est dimanche, bah... Là, écoutez, j'ai le temps, mais j'aurais pas compté tous les jours. Ouais. Et puis avec bébé et Wan, ouais, il faut avoir le temps. Hein. Et là, il faut laisser reposer 1h30. Il est 15h10. 15h10? Ouais. Donc à 16h40. Je suis trop fort, en fait. J'ai pas tout nettoyer, tout ça. Donc là, les brioches, le brioche c'est fait. Donc, brioche en fait, c'est pour demain matin. Et là, il y en a Eloane qui sont en train de faire des cookies pour le goûter. Et du coup, là, il est exactement 15h20. Donc, pour le goûter, ça met. Du coup, elle regarde la recette là pour faire. Attendez, je vais vous montrer. Donc, voilà. En train de mélanger la pâte. Vous voyez, vous voyez la tête qu'elle fait là, ça dégoûte. Bah oui. Pourquoi t'as pas mis des gants? Bah oui, il y avait des gants. Ça va se mettre avec. Ok, fais voir. La 16. 16 cookies fait par Iliana. Donc, tu vas. Et Loane qui a aidé, comme il a aidé à faire la brioche, les cookies. En fait, toi, tu as un commis de cuisine, c'est ça? C'est ouais. Bien, c'est bien. Et ben voilà, on va mettre ça au four et on va voir le résultat dans combien de temps? 10 minutes. Ok, allez, go. Go, 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 go. Iliana, tu peux ouvrir le four à ton frère, s'il te plaît? Ouais, non, les pieds, c'est... Non. Allez. C'est bon, les cookies ont fini. On va le résultat. Ah ouais! Et voilà les résultats des cookies. Parce que dans la recette, il y avait écrit de mettre de la nourriture. Attends, je vais regarder. Ah ouais, c'est bien gros. Hein. Ouais, c'est moelleux. C'est bien moelleux et tout. Remets le couteau pour voir. Ah ouais. T'es contente? T'as réussi, hein? Ouais, il y a Loane aussi. Hein, ouais, c'est bien. La potion, c'est toi qui les feras, fiston. Et c'est lui qui va te, t'aider, d'accord? Oui. C'est bien. On a hâte de goûter. Nicolas, il va venir. Il n'y aura plus rien après. Bon, voilà l'endroit du potager. Donc là, je vais tout retourner cette terre. Et bah, mon fils, Loan, il va me filmer entre-temps. Et vous verrez la fin. Donc voilà, pendant que les enfants jouent. Au trampoline, donc c'est parti. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? Alors, dictez des mots. T'es prête? Ouais, je suis prête. Les mots du lundi. C'est bon? Un vitrail. Un vitrail. C'est bon. Un portail. C'est bien! Oh! Oh mon amour! Mon amour! Bon, les amis, voilà, j'ai fini de tourner la terre. Voilà. J'ai bien bossé ou pas? Elle a très bien travaillé. Ah ouais? Regardez, on dirait limite une plante dans. Dans le jardin, tu peux rester là. Hein,
Tu peux rester là. Non mais là j'ai bien, hein. J'ai mal. T'as mal au poignet? Ouais. J'ai mal là. Non voilà, j'ai tout retourné. Maintenant je vais attendre un peu et demain ou après-demain je vais planter. J'ai des oignons là qui attendent, donc on va voir ça. Et je vous ferai montrer ça dans un prochain vlog. Donc voilà. Bon les amis, c'est la fin de ce vlog, juste pour vous faire montrer que les yaourts sont faits. Ils ont l'air bien consistants à l'intérieur, hein. C'est vraiment déjà plus que la dernière fois. Ouais. Donc la recette elle a l'air pas mal, je vais les mettre au frais toute la nuit. Là il y en a que 5 alors que j'en ai fait 7, c'est parce qu'il y a ma belle-sœur qui est venue, Sonia. Et ils en ont pris 2 pour goûter quand même. Et voici la brioche, donc je l'ai coupée là vous voyez pour... regardez à l'intérieur et goûtez, elle est très bonne franchement, c'est la première brioche de ma vie, donc soyez indulgents, soyez indulgents avec moi, franchement. Je confirme, vivement demain matin. Viens. Vivement demain matin. Allez, donc c'est le temps de finir le vlog maintenant. N'hésitez pas à commenter, à liker. Tu dis comment? Bah allez là, dis. Non. On se bat pour la fin du vlog, vous avez vu. Donc voilà, les enfants sont couchés, demain c'est lundi et nous on va aller se coucher. Donc c'est la fin de ce vlog, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et à partager aussi. Allez, sur cette bonne brioche. Ciao.